Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de Orc Must Die sur la pelouse avec Andreas. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, nous allons voir de la pelouse et la rendre toute rouge. Jeu de mots. Ouais. Un peu de merde. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Cygnus? Les orques ont besoin d'un maître pour transformer leur entêtement déterminé en obéissance. Warwick, mon vieil ami. Ensuite, il faut absolument que je ferme un accès. Une force imparable de la nature. On est d'accord que les orques peuvent débouler que devant. C'est que tu refuses de partager. Ouais, c'est des portails de téléport pour nous, c'est bien ça. M'aider à protéger l'ordre. Si c'est vraiment ton but, concentre-toi sur la défense de cette faille. Ils arrivent. À vos marques. Je laisse mettre tes bons archers. Juste là. Ça, c'est pas Scream ça. Allô? Ouais. Comment ça passe ça? Crème ou crème? Attends, regarde. Normalement, ça tâche contre le mur. Hein. Ouais, mais il faut faire attention parce que des fois, ça les envoie et ça les envoie sur les côtés. Donc en vrai, vaut mieux que tu le mettes pas et que tu laisses les archers s'en occuper. Bah, je l'ai quand même bien décalé. Hein. Ouais. Enfin, après, je sais pas, mais ouais, je les ai bien. Ou alors, attends. Attends, en vrai. Je vais le mettre à l'autre bout. Parce que là, il y a quand même un grand creux. Hein. Il y a quand même un grand trouillou, sa mère. Hein. Je vais prendre la catapulte au final. Et j'ai enlevé le poste d'avant-garde. Poste d'avant-garde, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ah oui, ça fait une petite plateforme rigolote comme ça, mais. Ah, l'intérêt c'est de pouvoir se téléporter. Mais non, ça te téléporte juste au-dessus pour monter en haut. Ah, ok, d'accord. Dans les mobs, il y aura orc léger, orc moyen, archer de dynamique. Du coup, l'intérêt ce serait de. Si je comprends bien, c'est genre arriver là et dire en gros je peux mettre des archers là-dessus. C'est intéressant ça. Ah d'accord, je savais pas qu'il y avait plusieurs types d'élémentaires de terre. Il y a l'élémentaire de terre et il y a le seigneur de la terre. Un qui est plus blindé que l'autre. Bah c'est normal en fait, le seigneur de la terre, il se déconstruit en élémentaire de terre et les élémentaires de terre en tout petit élémentaire de terre. Voilà, t'as compris. Ok, ok. Voilà. Du coup, il y aura que des archers dynamites, mais il n'y a pas de kobold dynamite. Ok. C'est des archers dynamites, c'est tout. Et qu'est-ce que je veux dire, le boss, ça sera un boss ogre. Ogre. C'est un ogre le boss. Quelle que soit la position, je pourrais mettre deux bandes archers. Machine de guerre d'un maître. Je suis allé trop loin. J'ai même envie de vendre ces archers là. Pour partir sur une. T'as pu poser une catapulte? Non. Tu peux budgétairement poser une catapulte? Ouais, mais si je laisse uniquement. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire des gros trous avec une catapulte, hein. Ouais, alors ouais, on va essayer, vas-y. Tu la mets sur la terrasse là. On voit bien, il y a de quoi t'amuser, hein. Genre, tu te mets là en mythe de terrasse. En fait, regarde le tracé des orques. En fait, juste là, les deux hordes des deux côtés viennent se paquer ici. Alors tu sais quoi, je vais mettre exactement ici, comme ça tu pourras mettre toutes tes bandes d'archers et je pourrais viser ici. Ok, bon après mes bandes d'archers, pour l'instant il y a la place. Hein. Sur là, je viens de mettre les deux bancs là. Normalement, bon bah écoute, get vos têtes pour la défense. Hein. On a perdu beaucoup de temps là-dessus, si on veut avoir le bonus de temps, on aura intérêt à speeder toutes les autres, mises en place. Hein. Je crois que ça compte pas. Ouf, je sais pas. Je crois que ça sauce déjà. Hein. Ouais. En fait, les archers ils saucent de tellement loin. Ah,
Alors là, tu vois, je spam clic. C'est quoi les persos jaunes? Bon, bon, bon. Ces archers de dynamite pourraient poser un problème. C'est des trucs dynamite. Oui, souvenez-vous de les combattre loin des barricades. Faut les combattre loin des barricades. T'as vu, c'est bien le système que j'ai fait avec les deux barricades à la fin. C'est pas mal. Ça réduit le champ du possible, c'est intéressant. Oh, scout de cobalt. Oh, je vais me taper une vague de petits nerveux qui viennent de passer là. Oh, il y a déjà du troll. C'est bon. Bah, la défense comme ça, ça a l'air de vraiment plutôt bien fonctionner. Hein. Ouais, il va nous manquer du terrain. C'est toi qui balance des boulettes n'importe comment là. Ok. Il manquerait pas grand chose. C'est parti. Ok. Ok. Bon. Je vais augmenter le banc de pétrole. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce serait pas mal, ouais. Et ce qui serait possible aussi, c'est si tu peux payer force. Une barricade simple pour ici. En fait, pour les forcer à prendre la plaque. Et ce qui serait bien, c'est si tu peux mettre une magicienne qui garde ici. Comme ça, elle est assez en arrière pour pas se prendre pas des tirs d'arbalétrier. Mais si jamais, je me lâche, je te dis. J'ai pas la magicienne. Il est temps j'ai de le, commencer. J'ai le bro- j'ai, ça m'a mis, justement, ça m'a mis, ça me l'a, ça soucis, m'a viré. Pas de soucis. Dans ces cas-là, je vais mettre juste de l'elfe standard. Je vais mettre... En fait, ça me l'a viré, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai le guerrier en fait. Ouais, pas de soucis. Oui, t'as fait exprès de mettre le guerrier nul. On a compris. Bah non, sinon je. Allez, on t'attend, balance. Let's go. Non, pourquoi il y a des portées plus de chaos, d'ennemis arrivent. Vite, j'utilise la stratégie du cadavre. Nul ne peut me voir. Il va falloir que je me bouge moi. Ah oui, mais j'ai mon archer aussi en fond. Faut que je la teste. Je vois cette ligne de défense très reculée ce qu'elle vaut. Oh, petit bonus pour placer des collègues. Ah ouais, ça je prends ça. Bon, on en prendra plus tard. Il y aurait beaucoup plus d'archers ici. Je pense que tu peux mettre des bandes d'archers tout au fond. J'ai pas les moyens pour l'instant. Pas bien, mais il va falloir me donner les moyens. Encore un peu et j'aurai les moyens.
Allez, tu joues encore un ou deux. Voilà, c'est bon. Machine de guerre d'un mec. Je ne suis pas déçu de voir celui-là partir. Horde de kobolds. En vrai, c'est tranquille avec la catapulte. Ah, je t'avais dit que ça ferait un carton. Hein. Ah, ça m'a gaspillé mon tir. Une autre menace éradiquée. Hop, lâchez hors direct. Jouons. Plus d'ennemis arrivent. C'est là qu'ils vont tomber. Ok. Plus d'archers ont été placés. Je t'ai vu te suicider de manière complètement minable. Et t'es pas en position. Au secours. Oh, j'ai encore le temps là. Ah non, là t'as raté déjà. T'as déjà raté au moins la possibilité de mettre deux tirs. Hein. Je vise l'embouchure des armées. Et encore ça va, ils sont cool, ils les font pas arriver en déferlant de commune. Continue. Ah oui, j'ai le truc nul là de glace. C'était un challenge. Et encore, on peut en mettre plus, hein. Ouais, d'ailleurs, ouais, je vais quand même rajouter. Pas de meilleur endroit qu'ici. Une bonne ligne complète d'elfes ici, là. Comme ça, il n'y a jamais aucun kobold de sa vie qui va passer. Des lieux charmants. Un lieu moins charmant. Sinon, vous, ça va, monsieur? Ouais, ça va, on tire. C'est sa pointe d'où ça tire. Sa pointe d'où ça tire. Oh, mais il y a un crâne à aller chercher. Comme il me dit ça. Oh, t'inquiète, hein, il y a assez d'elfes. Hein. On a déjà terminé. T'énerve pas. Hein. J'ai tellement envie de le mettre en mode coin d'alphe, le guerrier là, au milieu. Par contre, tu peux tout à fait. Est-ce que je peux mettre un guerrier coin d'alphe au milieu? Bah je pense devant. Juste derrière justement les pièges, le piège éjecteur là. Alors, et tu lui mets deux barricades sur les côtés, comme ça les gens tu vois ils peuvent pas passer. Ouais, mais ils pourront passer sur les... Bah tu lui mets une barricade à gauche, une barricade à droite, ils sont obligés de passer par lui. Ouais, mais t'as tes elfes. Et alors Cygnus n'a jamais été aussi bon. Non mais, que moi, sinon vas-y, enlève celle-là si jamais ça te gêne. Voilà, je te mets ça, voilà. Ah, ça te va? T'en mets une à droite. Voilà. T'es obligé de passer par là, ton petit copain. Là, il est en mode, vous ne... Par contre, j'ai plus un budget. Et sinon, je suis en attente que tu lances la horde, hein, parce qu'on perd du temps. Le temps, c'est de l'argent. Si j'ai pas le dernier crâne, je te fais le boom. Plus d'ennemis arrivent. Vas-y, suicide-toi encore.
Ouais, t'as hésité. Hein. Je crois que je t'ai pas vu hésiter. Ah, oh, ça tire déjà. Hein. À peine ils passent leur petit mur violacé. Hein. Déjà, ça arrose. Hein. Et encore, si t'as de la place pour mettre des bandes archers, t'en mets là où je suis. Hein. En vrai, ils tirent tellement loin que j'ai plutôt envie de les mettre bah, derrière ton chevalier. Là. En fait, derrière la barricade que j'ai mise, je pense que je vais mettre des bandes archers. Parce qu'ils tirent de tellement loin. Tu te rends compte, la première ligne, elle tire déjà au spawner. Oui, hein. Prochaine vague, c'est les boss. C'est le boss et je sais pas ce qu'il fait. J'ai trop envie de voir le guerrier ce qu'il fait. Il tabasse des gens. Pour l'instant, on l'a pas trop vu faire grand chose. Hein. Bah, ouais, s'il y a eu que des kobolds, hein, ils sont pris une flèche, ils sont morts devant lui. Bon. Quand même d'avoir mis un peu beaucoup d'archers. Quoi. Ah, c'est pas faux. Il y a plein de kobolds qui lui arrivent dessus. Est-ce qu'il va en avoir l'occasion d'en taper un hein. Ouais, ça a pas l'air d'être une arme pour les kobolds. Hein. On va voir sur le boss. Le boss ah, par contre, il fait tomber la foudre. Et après avoir vu, il a genre le contact électrique. Parce que j'ai vu des mecs mourir comme ça, comme des caca, mais. Le choc électrique sur le coude. Exactement. Très bel accent. Félicitations. Mourez. Mourez. Couvrez-moi, vite. Je viens chercher des thunes pour mettre plus d'archers. Il y a une horde de kobolds. Alors je te tire un tir de catapulte sur toi, mais. Et je le dis bien! Au secours, maman! Qui dit ça, les orques? Non, mais les orques, ils disent des trucs tellement bêtes, c'est trop bien. Rigole maintenant! Est-ce qu'on pense au style? Est-ce que le style a son importance ou pas? Moi, je pense que le style a son importance. Ouais, de ouf. De ouf, hein. J'adore cet appareil. Oh là là! Ça va faire mal, hein. Lancez la horde. Ça devrait être amusant. Plus d'ennemis arrivent! Le boss. Gorbache. Gorbache, hey, Gorbache la malourde de sa présence. Stupide, en effet. Mais il va essayer de détruire toutes les barricades que nous avons. Ah, c'est un destructeur de barricades. Ok. Ça y est, ça tire. Oh là 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 là, ça y est, ça arrose. Hein. J'annonce. Ça tombe. Hein. Ça tombe. Le mec, il sait plus sur quel pied il brûle. Hein. Une barricade est attaquée. Barricade est attaquée. Barricade à terre. Ah, il casse vraiment toutes les. Ouais, mais j'espère qu'il casse celles qui sont vers nous là. Oui, oui, mais oui, il est en face de toi. C'est le gros. Ok, d'accord. Parce que, excuse-moi, je t'ai concentré, c'est de placer un truc. Non, sinon, je. Gorbache Fumax. Mais le carré, Gorbache, ouais, Gorbache a été cramé. Je sens que le. Et d'ailleurs, si tu veux savoir, j'ai rajouté deux bancs d'archers en haut. Parce que j'avais plus de thunes à claquer. Du coup, il y a deux bancs. De banc classique et ça me permet de farmer pour avoir l'amélioration. Ah oui, bah tu peux dire. Ville créature. Mort. Ça fait tellement mal. En vrai, je pensais qu'il allait être beaucoup plus vénère. Bah, il est vénère, hein, sauf que faut voir ce qu'il s'est pris en tir direct. Hein. Moi, je l'ai vu, hein, le tir direct qu'il a pris dans la bouche. Hein. J'ai vu, monsieur. Des bandes archers. Bandes archers et archers. Hein. J'en ai rajouté un peu. Hein. Tu sais, je suis genre de mec, j'en fais des caisses. Hein. Réarmé. Bah, quoi? Je peux pas le placer? Ah non! Mais je veux le placer! Mais j'ai le droit de le placer! Passe-moi cet archer! Le jeu, il veut pas! Oh! Le jeu est capricieux! Genre, il y a un pixel vengeur qu'on n'a pas le droit ici. Ah mais quand je vois les bandes archers en haut, tu vois, et je vois le guerrier qui attend en mode vous passerez pas et derrière ton truc là, l'avant-poste derrière, je suis en mode ah ouais.
Ouais, ouais, hein. Et encore, ça bug un peu. Il a du mal à vouloir placer mes elfes, mais. C'est un peu chiant, si. Attends, sinon, ce serait très rigolo. C'est moi où les mecs s'évaporent sur lui. Bah, ils se font griller. Bon, visiblement, on n'a pas le droit de les coller ici. Ils je suis en cours de pognon. Ils ne sont pas passés. Et ils ne sont pas passés. Voilà. C'est bleu. Elle est stylée, la défense avec les elfes et le guerrier. T'as kiffé ou pas? Est-ce que c'était pas une bonne idée? C'était rigolo en tout cas. Ouais, en vrai, elle est sympa. Là. Pouh. Eh ben. Pouh. Ah, on a le mur de pique. Excellent pour pousser les gens dans le vide. Frappe les ennemis avec un des dégâts physiques et les fait reculer en fonction de leur taille. Ça fait mal. L'avant-poste, ça fait quoi? Placer 8 avant-postes d'avant-garde. Ah ouais, faudra quand même en placer quelques-uns. Ça, j'en ai jamais placé. Tuer 750 ennemis avec. Hein? Ah oui, mais c'est peut-être avec celle que moi j'ai placée. Genre la sienne, ça compte pas. Mais je pense que le truc là. D'avant-garde là, la con. Je pense que ça peut être sympa de mettre des bandes archers dessus et mettre une prêtresse dessus. Bah, c'est ce qui s'est passé. Il y avait deux bandes archers, moi, dessus en tout cas. Et non, c'est soit deux bandes archers, ça remplit l'espace. Tu peux rien mettre d'autre. Okay, parce que même à l'aplomb à l'avant, en fait, j'ai essayé de poser un archer, il veut pas. C'est le petit aplomb à l'avant, c'est pour toi. Mais tu peux rentrer deux bandes archers, ce qui est pas vilain. Ce qui fait qu'en fait, là sur la ligne, il y avait. Avec mes petits archers solo, il y avait l'équivalent de. De 7 bandes archers. Voilà, ça y est, j'ai moins de bandes archers améliorées en feu, donc c'est bon. Excellent. Et bah, des bisous YouTube. Des bisous.